Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette suite de cette carrière manager avec Chelsea. On est donc le 6 mars 2022 dans le jeu. Et puis aujourd'hui on va encore affronter Paris pour le match retour de Coupe des Champions. Donc on a West Ham, on a Newcastle et on a Paris aujourd'hui. Et puis voilà, on va se lancer tout de suite dans le premier match face à West Ham. On va mettre l'équipe 2. Et puis voilà, on va se retrouver chers amis pour les meilleurs moments de ce match. C'est parti, let's go. Oula, j'allais partir simuler, on va jouer. Tac, allez Masuaku. Oula. Masuaku qui s'amène en attaque, le long shot et l'arrêt du gardien malheureusement. Ouh, oula. N'Golo. Oh non. Allez, oh Halilovic. La course qu'il vient de nous faire là. Oh. Oula, le gardien qui suit pas là. Il se passe un truc qui est un peu. Oula. Il est un peu. Je dirais pas inactif, mais j'ai complètement perdu le mot. Absent, voilà. Il est complètement absent le gardien au côté à quelques moments. Donc ce serait pas mal de pouvoir en profiter. C'est quoi, je pense qu'on va mettre. On va essayer. On va essayer Moussanda en buteur. Je crois pas que ça va le faire, mais on va essayer. On va essayer un petit 87 Moussanda buteur pour la première fois. Pourquoi pas? Parce que César, il manque de vitesse, clairement. Allez, Shaqiri. Et Kupik. Des fois, je fais des gestes techniques et je le fais même pas. C'est n'importe quoi. J'ai vraiment envie que FIFA 18 sorte, là j'en peux plus du 17. On a encore presque 2 mois à tenir. Allez, Shaqiri. Hey, il y a tant de décalage quand je fais un geste technique, c'est un truc de malade. Ah ouais, le décalage de fou qu'il y a. Oh non, c'est chaud, on peut rien faire. La fin de frappe, Shaqiri, voilà le 1-0. Shaqiri qui marque pour le 1-0. Enfin, putain, j'arrive pas à marquer. La célèbre fin de frappe, hein, j'ai envie de te dire. Comme d'habitude, la petite fin de frappe dans la surface, on repique. Et c'est son premier but en première ligue, donc il n'y a pas marqué de la saison. Ce qui est compliqué. Je dois l'avouer, c'est très très compliqué. Quand tu joues dans un club. Tu joues pas mal souvent et puis tu ne marques juste jamais. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué pour Shaqiri de rester. Hein. On va s'entendre là-dessus. Oula. Ah ouais, carrément. Reed qui se blesse, qui doit sortir. C'est... Allez, Halilovic, t'as vu Moussan. Oula. Voilà, le doublé de Shaqiri. Voilà, il marque pas de la saison, mais là, il se décide de planter, et c'est là qu'il faut. J'avoue que c'était pas compliqué à mettre de sa part. C'est pas mal Halilovic et Moussanda qui a fait tout le taf. Mais voilà, il est là, au bon moment, au bon endroit. Shaqiri, pour son deuxième but en première ligue. Allez, Halilovic. Halilovic, la frappe croisée. 3-0. Voilà, faut juste être capable d'en marquer un et après ça, ils se mettent en full attaque et c'est beaucoup plus facile de passer. Le 3-0 qui fait extrêmement plaisir. Halilovic qui est son 10e en première ligue. C'est pas mal ça. Voilà, la victoire 3-0 de Chelsea face à West Ham. Ça fait plaisir. Voilà, faut vraiment, le plus compliqué, c'est de marquer le premier. Après, ça se débloque tout seul parce qu'ils se mettent en full attaque, parce qu'ils sont un peu en stress. Et puis là, après, bon, il y a des trous en défense, d'énormes trous. Donc, c'est plutôt facile de passer. On va tout de suite aller au prochain match, qui est face à Newcastle. D'ailleurs, on va faire jouer l'équipe 1, pourquoi pas. Face à Newcastle, je sais qu'on a le PSG juste après, mais l'équipe 2 a carrément le niveau pour affronter le PSG.
Et puis voilà, on va tout de suite. Juste avant, je voudrais voir le rapport d'équipe. Je veux voir le nombre de matchs que Shaqiri a fait pour planter si peu, quoi. Ah, il est où Shaqiri? Shaqiri, pas trop. Allez, t'es où Shaqiri? 17 matchs, 5 buts. Donc c'était son premier en première ligue, voilà. En 17 matchs, c'est un peu compliqué. Il a fait 8 matchs de première ligue, 2 matchs d'FA Cup. Non, 1 match d'FA Cup, 5 matchs de Coupe des Champions. Community Shield, ils ont fait 1 match. Et EFL Cup, ils ont fait. Shaqiri a fait 2 matchs. Donc c'est un petit peu plus compliqué. En 17 matchs, marqué 5 buts, c'est pas trop. C'est pas top top, mais bon, voilà. On va faire avec pour le moment. Il a marqué au bon moment, j'ai envie de te dire. Là, on a beaucoup de joueurs qui sont malheureux, je viens de voir, mais je peux rien y faire. On va tout de suite aller dans ce match face à Newcastle. C'est parti, let's go. Oh, Koke. Koke, j'allais dire l'enroulé, mais que dalle. Le hors-jeu, voilà. What? S'il vous plaît, non. Oh, là-bas, non. Tout le monde sauf lui. Oh, en plus, j'ai pas de défenseur gauche. Je n'ai pas de défenseur gauche. Alors là, c'est l'improvisation totale. C'est quoi on va faire? Je joue Christensen. Et ça va être compliqué. En plus, j'ai que Masuaku en défenseur gauche après. Là, ouf. Oh, et comment il s'est éclaté. Là, je dois avouer que ça va être compliqué sans Alaba. Masuaku est pas mal, mais je sais pas, je vais le faire jouer tous les matchs. J'espère juste que maintenant, ça sera pas une blessure qui sera très grave. Oh, t'aurais pu prendre le ballon, Carrasco. Allez, beau gars. Oh là, ça, c'était dégueulasse comme frappe. Avec sa belle moustache. Ça, c'est de la moustache. Koke, Koke, voilà, le 1-0 à la 45e, c'est le script. J'ai envie de te dire, c'est scripté à mort, mais c'est pas grave, on prend le 1-0. Koke qui marque, c'est son premier en FA Cup. Ça fait plaisir. Voilà, 45e minute, ça fait plaisir. Là, faut que je m'inquiète juste un peu pour Alaba, le match, limite, je m'en bats les couilles. On va voir après qu'est-ce que ça va donner. Mais là, j'avoue que sans Alaba, ça va être compliqué. Christensen. Pour le moment, fait le taf. Malgré que c'est pas sa position, il fait le taf. Oula, oula, Christensen. Christensen. Le centre de Christensen. Oula, le centre de Christensen qui a failli donner un truc, mais il n'y avait personne. Eriksen. Oh, mais non. Pas autre chose à foutre que la mettre dessus, gardien. Genre la mettre à côté du gardien, peut-être. Non, t'as jamais pensé. En plus, le match se termine pas. On pourra même pas jouer le match face à Paris. C'est n'importe quoi. Encore une fois, on a des chances, mais il se passe que dalle. Ça va encore aller au péno. On va se faire douiller. Là, j'aurai plus le temps de jouer le match face à Paris. Déjà, j'ai plus le temps de jouer le match face à Paris, donc je suis vraiment désolé pour tout le monde qui est resté jusqu'à la fin pour voir le match face au PSG, mais ce sera dans le prochain épisode parce que là, j'ai plus de temps devant moi. J'ai autre chose de plus important, malgré voilà que YouTube, c'est important pour moi, mais je veux dire, j'ai autre chose à faire et je ne peux pas le reporter. Donc, je ne peux pas faire le match face à Paris dans cette vidéo. Je le ferai lors d'un prochain match, Eriksen. Je le ferai lors de la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, vous allez la voir ce match face à Paris. Malgré que je suis un peu démotivé ces temps-ci, voilà, j'ai pas vraiment envie de jouer à FIFA 17, si je joue en ce moment c'est pour vous, pour vous en fait. Parce que moi ce serait juste moi, ma chaîne, je la laisserai morte jusqu'au 26 septembre, et puis voilà, 26 ou 29, ça dépend, je sais pas encore.
Allez, Carrasco, s'il te plaît. C'est dégueulasse. Peno? Non. C'est un coup franc dangereux, mais à la bas, il est plus là, donc je sais pas qui je vais faire tirer. Il me faudra un gaucher. Est-ce que j'ai un gaucher qui a des bonnes stats? J'ai un gaucher. Mais les stats, c'est pas son point fort. Et ça frappe le poteau extérieur. C'est super. Tu sais quoi, on va faire. Oh, ça sert à rien de faire des changements, il reste 2 minutes. J'ai complètement zappé les changements. Je crois qu'un petit Coman à gauche aurait pas mal aidé l'équipe parce que là. Là, c'est compliqué. Voilà. On s'en va au péno. Et puis, on espère tout simplement les mettre. Voilà, ça, on s'en fout un peu. Carrasco, tu vas me le mettre là. Voilà. Maintenant, le plus compliqué, ça va pas être des mettre, je crois. Ça va être plutôt des arrêter. Allez, Perez, tu vas tirer à droite. Et la lucarne gauche, ok. Ok, Renato, tu vas tirer à gauche, toi aussi. Oula. Ouh, ça a failli pas rentrer. Oula, il se donne un CC, non? Il va tirer dans le milieu, je le sens. Le milieu! Non, ok. Ok, j'essaie de... Voilà! Eriksen. Allez. Il va la tirer à gauche. Ah ouais, carrément, très loin à gauche. Allez, le Shigi. Le Shigi, il va se donner un plus grand élan au Shigi. J'ai jamais tiré comme ça en plus. Oh, je sens qu'il va tirer un missile. Ouh, Serge Aurier qui marque. Et là, on a une chance de gagner. Si on arrête, Ameobi qui tire à droite. Oh putain, je l'avais arrêté en plus. C'est quoi cette merde? Allez, Lemar. Lemar, tu vas me l'envoyer à droite. Ouh, ça rentre. Malgré que le gardien avait sauté du bon côté, ça rentre la victoire. De Chelsea qui fête un petit peu trop parce que j'aurais grave dû gagner. Allez, c'est pas grave, on peut passer ça s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, non? Ok, c'est pas grave. On gagne le match face à Newcastle, mais je me demande qu'est-ce que ça nous donne de plus. Nous, est-ce qu'on gagne un truc? Non, on gagne rien du tout. Ce n'est pas une finale, donc ça doit être un truc, un match de placement, de coupe, je sais pas trop. Donc Crystal Palace, Portsmouth, qui ont pas joué. Man United dit Arsenal en prolongation. Oula, ok, oui, j'avoue. On passe en demi. Donc normalement, c'est Chelsea United. Ou Chelsea, Crystal Palace, ou Chelsea, je dirais Everton à la place de Watford. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu malgré qu'on n'avait pas pu jouer le match face à Paris parce que j'ai plus de temps devant moi. Je suis vraiment désolé encore une fois, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace!